C'est à l'issue de la keynote de Stéphane Lévin pour l'Innovation IT Day que cet explorateur de l'extrême nous partage son parcours et témoigne de ses observations au service de la science, de la nature et de l'homme. Morceau choisi d'interview et de keynote. Je fais de l'exploration depuis une vingtaine d'années. J'ai un parcours, évidemment, comme beaucoup, sûrement atypique, comme on aime à le dire. Je suis né sur une plantation de café au cœur du Cameroun. Je n'ai pas eu la scolarité des enfants de mon âge, donc c'était déjà un départ un petit peu curieux. J'ai pu réussir à récupérer un cursus normal dès l'âge de 7 ou 8 ans, des études de géologie, à l'université, un service militaire engagé, et puis un métier extraordinaire qui était celui de concepteur de circuits d'aventure de haut de gamme pour des compagnies maritimes, pour des bateaux, qui me permettait d'aller faire la conception de ces circuits autour du monde et de rembarquer à bord des navires comme chef d'expédition, directeur de croisière. Jusqu'au jour où j'ai quitté cette compagnie, puis j'ai décidé de réinventer ma vie, c'est bien le cas de le dire, de trouver une nouvelle vie qui m'éloigne des bureaux, des avions, des premières classes dans les avions, des hôtels 5 étoiles luxe. Donc j'ai véritablement quitté ma zone de confort pour troquer les hôtels par des igloos, les avions par des traîneaux sur la banquise, des dromadaires dans les déserts, des hamacs en Amazonie. Et j'ai, depuis le début, totalement dédié mes programmes à la recherche scientifique, médicale et technologique. C'est-à-dire que je me suis offert, entre guillemets, comme cobaye, comme volontaire pour la science, d'où l'intérêt des chercheurs qui m'ont confié de nombreux protocoles dans les conditions les plus hostiles, mais également au service des industries, des entreprises qui veulent qualifier des matériels dans des situations extrêmes. L'extrême étant une loupe de la normalité, comme on le dit autour de moi depuis des années, et qui permettent de ramener des informations profitables au plus grand nombre, en tous les cas aux commanditaires. Voilà, donc ce sont des missions qui ont été à géométrie variable. Je ne suis pas un spécialiste d'un domaine dans lequel j'écris ma vie et je creuse mon sillon. Depuis tout petit, j'ai toujours été très très curieux, j'ai toujours eu envie de toucher à tout, alors que ce soit un petit peu comme on le disait tout à l'heure, au parachutisme, à la plongée sous-marine, au parapente, au pilotage d'avions, d'hélicoptères, le deltaplane. Et bien c'est pareil pour mes missions. Voilà, je suis aussi passionné par l'Arctique que par les déserts, que la Grande Amazonie. Et donc ce sont des expéditions à géométrie variable qui chacune, à chaque fois, embarque un écosystème dédié pour travailler sur le sujet que l'on nous confie. Fort de toutes ces expériences, j'ai ensuite monté un projet dont vous avez sûrement entendu parler ici à Toulouse, Voyage des sciences. Le concept était de sélectionner des jeunes lycéens de 14-15 ans pendant 3 années, 3 aventures différentes, 3 sélections différentes. Le concept était de confier à ces jeunes des protocoles scientifiques, des observations techniques. C'était un programme en fait de valorisation des filières scientifiques pour la renforcer, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il manque de chercheurs, d'ingénieurs. Et donc cette sélection a été un énorme programme géré ici à Toulouse, avec notamment la Cité de l'Espace, la mairie de Toulouse, le CNRS, le CNES. Et nous avons organisé cette sélection qui nous a permis de sortir chaque année 6 jeunes, 3 garçons, 3 filles, qui étaient les responsables des protocoles scientifiques, que j'ai préparé ensuite pendant 5 mois dans notre région, à s'adapter à un milieu hostile, mais également à maîtriser toutes les technologies qui étaient confiées par nos partenaires, de façon à pouvoir les mettre en œuvre sereinement dans les 3 milieux que nous avons été rencontrés, l'Arctique, le désert et puis l'Amazonie. Donc, l'apport de ces missions sur le réchauffement climatique me permet de dire que j'y vais en tant que témoin. Je vais vous rapporter ma crédibilité de témoin qui ramène des images, de reportages qui me sont demandés sur les conséquences du réchauffement climatique en Arctique, voire des endroits de banquise qui ne se forment même plus, des icebergs de plus en plus gros vêlés par la calotte polaire qui contribuent pour part aussi à l'élévation du niveau des mers, que ce soit en Arctique ou en Antarctique. Ce sont des déserts qui avalent et qui engloutissent des villages, c'est la déforestation en Amazonie, et puis je rencontre ceux qui sont au cœur de ces bouleversements, c'est-à-dire les Inuits, les Berbères, les Indiens, et qui partagent avec moi comment leur monde est en train de changer à la vitesse grand V. Je vous demande vraiment de croire dans ma crédibilité de témoin, puisque là, la banquise ne se forme même plus.
Et puis une autre mission sur les ours, j'avais très très envie d'aller voir des oursons sortir de la tanière. C'était également un gros projet sur l'observation de la banquise, la modification des comportements des ours polaires, et je pourrais ramener ces images d'oursons qui sont rarissimes, puisque je devais à l'origine rentrer dans les tanières, et mes amis inuits me disaient « ça sera toi qui rentreras dans la tanière ». Je garde la carabine, tu vas dans la tanière. Donc il s'agissait d'approcher, de rentrer dans la tanière, de voir s'il y avait ours ou pas ours, en faire une interprétation, les bourres de poils et les excréments, de façon à pouvoir faire un tracking et pouvoir ramener ces images d'oursons exceptionnels, la mère n'étant pas très très loin, évidemment mon ami inuit se mettant entre l'ourson et la maman, de façon à ce que je puisse aussi ramener ces images de maman inquiète, alors qu'on lui a tranquillement fait repartir l'ourson entre les pattes. Voilà, autre volet environnemental. Dans le cadre de ce contrat d'image que j'avais avec ce grand consortium du spatial EADS Astrium, Spot Image, Infoterra, une mission était d'aller faire le film institutionnel de EADS Astrium sur la déforestation illégale, nos applications satellites dont j'étais l'ambassadeur, d'aller remettre des images satellites à des Indiens pour les aider à lutter contre la déforestation illégale, c'était au Mato Grosso. Voici quelques images. Les déforesteurs illégaux rentrent dans la forêt, des énormes camions, ils arrasent la forêt, ils mettent le feu, en quelques heures c'est arasé à nu. Alors l'Amazonie c'est 4 millions à peu près de kilomètres carrés de surface de forêt, 20% ont été déforestés à ce jour, c'est-à-dire plus de 800 000 kilomètres carrés, donc un chiffre qui se rapproche à peu près de la surface superficielle de notre pays, donc imaginez mentalement la superficie de la France qui serait totalement arasée à nu comme ceci. Un des déserts les plus chauds de la planète, et cette fois-ci, la mission aura les paramètres suivants, donc je serai à nouveau seul, durant 121 jours, température au sol 70 degrés, des bouffées d'air à 50 degrés, et puis les sujets du moment, la déshydratation, la transpiration, le coup de chaleur qui va rester le sujet physiologique le plus dangereux, donc le plus vital. Et ce sera donc à nouveau une expédition totalement dédiée à la capacité d'adaptation de l'être humain en conditions extrêmes, au travers d'une campagne scientifique très très évoluée. Imaginez qu'on va avoir des drones, des robots qui vont surveiller le camp, qui vont me transmettre des informations. Alors le camp sera sédentaire, mais je prévois de sortir de mon camp 4 fois durant la mission, donc une fois par mois, pendant 3 ou 4 jours, pour faire du travail sur la physiologie, pousser la machine un petit peu en conditions extrêmes, faire des retours d'expérience sur des technologies miniaturisées, par exemple. Ce sera donc l'enjeu de cette future mission. Et encore une fois, moi, mon job, c'est ça, c'est de donner un cap pour qu'on réussisse ensemble avec mes partenaires. Cette base qui va être installée au cœur du désert de Namib, un des déserts les plus chauds de la planète, eh bien, ça va nous permettre de travailler sur les sujets qui vont intéresser très vite et qui intéressent très vite tout le monde, c'est-à-dire la transition écologique, la transition énergétique. On va travailler sur un mix énergétique, un cocktail énergétique sur le solaire, l'éolien, les piles à combustible et tout autre éventuellement système innovant sur lequel voudront travailler les partenaires. C'est évidemment l'empreinte environnementale, c'est de ne laisser, comme on aime à le dire, que la trace des yeux lorsque l'on démantèlera tout le camp. Le zéro déchet qui intéresse au plus haut niveau, bien évidemment, le pays Namib qui m'accueille, et avec un système d'autorisation extrêmement complexe pour être autorisé à réaliser une telle mission dans un site ultra protégé. Les sujets de l'eau, évidemment, mais que ce soit l'eau en termes d'économie, mais la gestion de l'eau en site isolé, et on préfigure déjà les bases sur l'une, le recyclage de l'eau, c'est un véritable sujet. Donc des sujets extrêmement pertinents pour le plus grand nombre. C'est une étape de plus du chemin que j'ai écrit ces 20 dernières années, avec un fil rouge qui est le spatial au sens large, l'exploration spatiale, quand même une passion, les applications satellites, que ce soit pour de la télémédecine, que ce soit pour de l'observation satellite, que ce soit pour la gestion de crise, puisque j'ai été donc un ambassadeur sous contrat d'image de grands groupes industriels sur ces sujets-là. Eh bien, cette future mission, un peu comme l'étape suivante de tout ce qui s'est passé les années précédentes, est un programme qui va préfigurer effectivement l'installation d'une base sur la Lune et s'inscrire dans la grande aventure spatiale à destination de Mars.